merci, profitez du spectacle parce qu'on va avoir un beau spectacle. Bonne soirée. Quand même assez convivial, quoi, assez familial. On n'est pas une grosse équipe, hein. On a que 3 ans, c'est notre 3e rentrée, c'est notre 3e saison. Je me suis entraîné à fond, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et... ça a payé ce soir. Franchement, revenir boxer chez eux en classe B alors qu'il y a 2 ans j'étais en D. Non, en éducatif. C'est magnifique. J'attendais un combat quand même assez difficile et je suis content d'avoir pu remporter le fight. Et un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusque là, ma famille, mes amis, ceux de près, ceux de loin, à tout le monde. Grand respect à tous les boxeurs et vive le Muay Thai et j'espère que je vais encore aller plus loin. Ça s'est déroulé comme on l'a voulu, on a géré jusqu'à la fin parce que bon, il menait, ça servait à rien d'aller chercher le chaos ou quoi, parce que bon, le mec en face il avait quand même les points, il attendait ça de contrer, donc on a géré jusqu'à la fin, voilà, tranquille. Comme ça nous a permis de voir si la préparation était suffisante sur les 5 rounds. Et voilà, donc on est content, on a fait une bonne prestation ce soir et en espérant que ça continue. C'était un très bon combat, franchement, très équilibré. Et, voilà, après au niveau de la technique, Bobo il a fait le plus avec les jambes, mais sinon c'est un combat équilibré. Je suis très fier de lui. On va retravailler un peu plus ses assises encore. C'est plus voilà qu'il soit encore plus percutant. Mais sinon on est fier de ce qu'il fait là. En tout cas, il progresse à grands pas. D'accord, merci beaucoup. De rien, ça marche. C'est un combattant très très difficile à boxer par rapport au fait que il change de garde tout le temps. Il se met en gaucher, il se met en droitier. Et quand je rentrais sur lui, il reculait et quand je reculais, je pouvais pas le toucher. Il lui manque un petit peu d'agressivité. Il a laissé Bobo Sacco s'installer. Donc à partir de là,
Il a tourné autour du ring, il a essayé de placer quelques coups. Bobo, il a pris confiance. Je pense que c'est ça qui a complètement déstabilisé un petit peu mon boxeur. Vous aviez content que ça soit terminé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée par rapport aux années précédentes? Bah, la première année, donc l'année dernière, on avait fait un classe A et que des classes C et D. Hein. Cette année, on a fait 2A, 2B. On a monté le niveau, on espère monter encore plus. Le public a apprécié, les retours des clubs qui sont passés, ils m'ont dit remercier, ils m'ont dit que c'était sympa l'organisation, l'ambiance était sympa, donc je pense que on remettra ça l'année prochaine, quoi.